12, on commence le record. Tout présenté à BTV eSports en ce magnifique 7 juin. Ben magnifique, il mouille en maudit dehors. Ça a empêché Vraska de venir. Parce que maintenant, il tentait pas de faire de la moto pendant qu'il y avait comme une tempête. Je comprends pas. C'est quoi puis d'avoir une moto, c'est pas en faire. Là, on va peut-être assister à un match assez avec des forces égales, tu sais. Hein? Kendo des Venom, un peu deux joueurs. Commence à avoir des bons résultats, surtout Venom particulièrement. Exact. Kendo de gagner une couple de fois contre ma base, tu sais. On va voir ce que Kendo peut faire au niveau de, comment je faisais ça, éviter le Fire Hydrant. Ou, tu sais, des fois aussi, fais attention parce que des fois, tu comptes Pac-Man. Toi, tu focuses à frapper le Fire Hydrant, c'est comme ton focus dans le match. Faut se dire que Venom, Kendo a un peu un slump récemment. Il y a une couple, ça fait une couple de tournoi qui est juste, qui fait pas un excellent résultat. Alors, j'espère vraiment qu'il va commencer à bounce back. Ben, qu'il va bounce back comparé au début de sa saison. Faut que tu fasses attention parce que Fire Hydrant a un très bon angle pour contrer Shoryuken s'il veut recover. Il y a beaucoup de trucs pour outbox Ken, Pac-Man. Mais là, je suis curieux de savoir comment Venom va vraiment pouvoir outbox. Exact. Faut jouer avec les projectiles, les angles. Faut pas oublier que la pomme, justement, un angle 45 vers le bas, un peu spécial. Hi, c'est qui ça? Down tilt pour péter le Fire Hydrant. Quand même, pas commun. C'est pas un choix que j'aurais fait tout le temps. Oh, beau back-up. On met Fire Hydrant. Oh. Forward smash kick greedy. Shuriken, non. Yeah, Mauvais bar. Oh, that's it. Ouf, je pensais qu'elle finit avec un smash. Mais je pense pas qu'il y avait le temps. Ouais. Au moins. Je rappelle que le grab de Pac-Man, tu peux pas le spot dodge. Non, exact. Oh, t'es dans une position dangereuse en ce moment. Oh, beau tatou, vous n'avez pas évité le coin du stage. On reprend le center dans stage. Dans l'air qui punk pas. Avec le sweet spot. Et voilà. C'est le premier stock de la part de Kendude. Situation très dangereuse pour Venom en ce moment. Puisque Kendude a vraiment toute la rage. Et Ken avec la rage. Ouais. Smash pour péter le match. Le Fire Hydrant, tu vois, il est parti tard. Hein. On va pas vraiment. Stage pour essayer d'être guard. Pas de conversion. Je sais pas qu'est-ce que Pac-Man aurait pu faire là-dessus pour. Side B again. Side B, ouais, c'est back air. Et voilà. Non, il n'y a pas de kill throw. C'est vraiment. Le seul kill throw que Pac-Man a, c'est vraiment back throw. Ouais, puis il était comme sur le ledge, ça allait pas arriver. Yeah, oh. Le Hadouken consécutif, juste créer un peu de spacing. Yeah. Oh, beau spacing! Wow! Good footies de la part de Kendo. On voit vraiment l'utilisation de moves qu'il n'utilisait pas souvent. C'est voilà la clé. Qu'avec le roundhouse qui est intangible. Venom qui faisait un bon travail, là il est rendu à 54%, mais avant que le stock commence, il y avait juste 20% de dégâts de prix avec un bon comeback, quand même. Avoir un petit peu de jab pendant l'eau le pouce. Hein. 79%. On est quasiment à quel pourcent? On est à quel pourcent en ce moment? Avec Ken. Oh, beau perfection à la fin. Faut juste savoir à quel point est-ce que Kendo va pouvoir garder son lead et tout de suite closer la stock ou est-ce qu'on va avoir vraiment une grosse avance du Pac-Man de Venom. Fort smash. Huge read. Je sais pas s'il y avait LDI, c'était un peu bizarre quand il est mort. Mais je pense qu'il était genre vraiment sur le borderline de pas se faire tuer. Manquer le Dantil Shoryuken. C'était vraiment à ça de se faire pogner. Hop, jab Shoryuken, 0-0, even. J'imagine que l'eau a dû pousser vers le Shuriken en plus. Yeah, c'est ça. Surtout qu'il pouvait pas prendre. Oh, beau 53%. Très clean. Garde. Essaye pas d'aller trop crazy. Trop crazy avec le damage. Oh, smash! Oh my god! Oh, il va très empoigner une descente de niveau, mais ça peut mal finir ça. Comment? Est-ce que. Oh non. On pas neige pas mal. Clutcher ça. Le Kendo qui a tout l'avantage. J'aime bien l'utilisation de Top Smash, ça envoie Fire Hydrant, tu sais, lentement, fait que il peut comme approcher en restant couvert par le Fire Hydrant. Yeah, exactement. Oh! Le Down Smash sur Fire Hydrant, close la stock, première game sur Kendo. J'ai l'impression vraiment que Venom est pas très très familiarisé avec Ken. C'est pas vraiment un match-up qui a probablement pas beaucoup joué. C'est généralement, je pense pas que je joue une fois contre Kendo là-bas. Moi, je sais juste c'est quelle ronde, c'est pour ça c'est bien ronde 1. Il n'a pas vraiment joué souvent comme contre Kendo, fait que. Très curieux de savoir comment ça va aller. Par ça, là, j'ai encore oublié de. Pas break, j'ai oublié de host Michonne, fait que je vais faire ça rapidement. Match numéro 2.
On change pas de personnage, on reste avec Pokémon Stadium. Oh! T'as fait ce que... Oh, Michonne, il a fait ce que j'ai dit. Ils vont switcher les deux cams. Ah, ça, c'est cool. J'aime bien ça. Michonne, écoute. Yes. Par contre, les cams sont peut-être un petit peu trop petits. Ouais, mais ils ont le 0 au pace pas dans la tech. On peut-tu changer? On peut-tu seulement? Au pace, je vais faire vraiment. Salut, Recon. Hey, Recon. What's up? Avec des matchs, c'est pas mal. On s'échange un peu de New Shore, Venom qui est avantage center stage, Galaga entre les mains. Ouh, beau dans ce match. Hydrant. Oh! Là, c'est dangereux. Un forward smash pour un kill au ledge en ce moment. Oui, exact. Venom qui fiche beaucoup pour ça. Qui utilise l'emoji des fesses pour y renvoyer. Par contre, je suis surpris qu'on. Je sais que Venom joue une copole de calcul, genre Wolf, puis. Je pense que c'est Game & Watch. Non, ça, c'est Recon. Ouais. C'est. Il joue comme un character, puis il joue pas juste Pac-Man. Oh! Manqué le jab, Josh Hurricane! Il avait trop peur d'utiliser. Exact. Il pensait pas qu'il allait avoir de assez de stun, puis il pensait pas qu'il allait avoir le read, en fait. Mais là, est-ce que Venom va aller. Oh! Pas fou ça d'utiliser Shuriken s'il pitch le Hydran, peut-être ça peut. Faut que ça donne son spacing, par exemple. Eh, là, c'est dans le Shuriken, prends la stock. Recon confirme son Game & Watch. 0-0. Là, on attend juste le Recon comeback, là, il y a eu le Recon comeback. Exact. Comeback ou qu'il va péter ailleurs à tout le monde. Il prévoit son nouveau Secret Pick, genre, yes. Il va nous démolir avec son Greninja. Mais le Greninja de Recon, tout le monde sait que c'est un gros pick. Exactement. Il va nous kill avec son taunt. Hein. Tu vois, Venom, utilise souvent. Il a vraiment peur au ledge. Oh! Encore la belle, mais encore le kill confirm. Ouf! Fait deux fois qu'il read un peu vers un force smash, mauvais spot, mais il reste que. Oh. On a encore la belle. Oh, ça va être dangereux. Jab. Oh, dans le smash. Dans le smash, il connecte. Oh, Pear qui a été très dangereux en ce moment. Pear, jab, Shoryuken. Oh, mauvais DI. Mais ça recule pareil, il y a 117. Back air. La belle. Ouf, mauvais timing, malheureusement. Alright. Oh, tattoo. Pas de punish sur le tattoo. Oh, fine. Badouken sous l'Hydran, c'est clair que ça passe pas. Exact. Kendo dans la position de rester en winner's bracket. Ouais, il reste là, les côtés pourcentages sont revenus assez égal assez rapidement. Ouais, mais tu sais, là, il a perdu sa jam. Faut juste qu'il converte encore un petit peu de pourcent, puis Kendo pourrait rester, mais tu sais, Venom, il va pas se laisser faire. Oh, ok, ça faillit pas combo, ça. Jab. Pas vraiment beaucoup l'utilisation de jab et pas up tilt en désavantage de la part de Ken Dude. Fire Drench, j'ai l'impression que ça peut faire mal. Ouh, c'est dangereux. Oh! Oh, faut du saut. Avec 600 deaths, j'ose imaginer. Up tilt, jab, shuriken pourrait kill si Recon il dit Recon. Venom DI pas. Oh, il pense qu'il a voulu pitcher la belle direct au mauvais moment. Ouh, dangereux. C'est vraiment très dangereux de la part de pour Venom en ce moment. Un nerd up tilt pourrait kill. Ouh! Oh, miss le tech! Manque le tech! Pas de punish sur le tech! Fort smash un peu, ça fiche! Ça fiche au bout pour des kill confirm! Oh, okay. Shuriken! Manque. Non! Je pense pas que ça aurait kill! Pensez à Shuriken direct quand il piche Hydran. Oh, d'accord. C'est dangereux, 117%, un fort smash pourrait kill! Oh! Et voilà! C'est ça! Oh. Un Venom reste dans le bracket! On remercie Inky! En fait, je sais pas c'est quel go. Je connais les noms des 4 fantômes, mais je sais pas quel fantôme est lequel. Inky, Pinky, Blinky, Clyde. Hein? Clyde, c'est le jaune. Inky, c'est le. Le rose? Non, Pinky, c'est Pinky, le rose. Pinky, c'est rose. Inky, c'est bleu. Puis, c'est quoi l'autre? Il y a Blinky. Blinky, c'est le rose. C'est le bleu. Okay. Puis, Inky, c'est le rouge, je pense. Parfait. C'est mon gars. Clyde, ça a l'air vraiment pas du rouge. Clyde, ça a l'air du nom du random. Je sais pas pourquoi il y a Clyde là-dedans. Anyway, match numéro 3, on retourne sur PS2. Non, on change de stage cette fois-ci. Donc, je sais pas qui stage avantage qui. Je dirais que c'est quand même possible pour Kendo, puisque juste une plateforme. C'est plus proche. C'est vraiment une bonne map pour Ken, je trouve. C'est le plus proche, dans le fond, de FD sans être FD, j'imagine. Recon, laisse pas aller Kendo de Kazuya. Son Kazuya n'est pas prêt. Son Kazuya n'est pas prêt. Ouh! Oh, t'as-tu pour venir sur la stage? On prend le contrôle au centre. Up tilt jab. Manque. Il parlait pour toi, ouais, ton Kazuya. Non! On trade le Fire Hydrant contre la clé. Ça se peut très fortement que tu le vois asseoir. Mon Kazuya. Même pas Oh, Bell! Force smash!
même probablement pour mon prochain set. Faut juste que je joue sur le stream. Un chip au ketchup. Ben, tu vois, un chip au ketchup, tu joues Casilla. Un chip au ketchup, parfait. Ah, c'est va être ça, dans le fond, pour, comment tu pourrais dire ça, genre, annoncer le saltiness de l'adversaire, les chips au ketchup? Ouais, exact. Exactement, tu sais. Moi, ça va être sweet pour moi, mais ça va être salty pour lui. Exactement. Ouh, ouais, le manquant, jump, shuriken, kill, à ce pourcentage-là. 47% sur la part de sur Roses, 0% sur Pac-Man. On joue encore un petit peu de neutral. Hadouken qui ne brise pas l'avion. Oh, shuriken pour punish, pour essayer de péter l'hydron. Tu fais tout le temps punish en landant avec un air. Ça a marché, je dirais qu'en smash, c'est une meilleure option pour faire l'hydron. Comme ça, elle permet de, comme, de se créer une bulle safe autour de lui, pour approcher. Beau mauvais spot dodge. Ouais, là, il est dans une position. Pac-Man a tous les projectiles avec lui, puis... S'il y a même quelque chose qui fait vraiment peur avec Pac-Man, c'est le ledge trap. Le ledge trap de Pac-Man, il est fort. Tellement fort. Surtout avec, en plus, avec le high jump, puis après ça, avec le hobby, genre, tu peux tellement rien faire. Tattoo, encore un autre tattoo? Je dirais que ce Valen n'utilise pas beaucoup, c'est d'utiliser sa trampoline sur le stage quand l'autre est sur le ledge. Comme ça, si il se coupe une option si tu laisses une trampoline en avant. Pour la première fois, Venom dans le set a vraiment un avantage au niveau pourcentage. Tu sais, avant, c'était tout le temps genre « j'ai beaucoup de pourcents » puis « oh, manquant dans le smash ». Dans le smash, je n'allais pas connecter, c'est vraiment runner, c'est en fait. Mm-hmm. Si tu as repiché le Fire Engine une deuxième fois, ça peut marcher, évidemment, parce qu'il l'avait déjà de l'autre bord. Il commence à utiliser back air, punish sur le jab, maintenant Randall. Fire Engine. Quasiment avoir les trois parries. Hydron, 66% sur Ken Dude, c'est encore faisable. On a vu Ken est capable de comeback de ça. Faut juste pas qu'il se fasse pogner par Hydron. Oh non! Bon, Pac-Man va de ça sans trop de problèmes. Là, c'est Crème Spacing, Pac-Man qui sort ses fruits, et légumes. Oh! Oh, Hydron, je sais pas s'il l'a sauvé. J'ai mal. J'ai vraiment mal. T'as vraiment mal, là? J'ai mal. Ben, ça me bat du cœur. Il a juste fait off du hobby. Alright, back air tranquille. 92, c'est. Je veux dire, c'est faisable. Oui. Faut juste pas qu'il se fasse belle before it smash encore. Je veux dire, il va déjà un 13% pour commencer. Faut juste qu'il prenne un couple de pourcentage. Dantil. Voilà. 41%. Un dans l'air pourrait kill. Oh! Oh non! Oh, c'était trop early pour l'essayer. Moi, c'est pas fait de punish pour tout dire. Au moins, c'est pas fait de punish pour mourir. C'est déjà ça. C'est déjà ça, tu sais. Mais là, il y a Bell. Z-drop Bell into forward smash pourrait kill. Oh my god! Ah, ben non, match fini. 40-87%! N'importe quel. Oh! Il manque le shuriken! Ok, là, les 13 égales côté pourcentage. Non, pourquoi? Pourquoi? Oh! La game! Quel bel angle sur l'Hydron pour finir le match! Oh mon god! Venom.